important que le rassemblement unitaire d'aujourd'hui, symboliquement, s'arrête devant les tenants du pouvoir macroniste. Donc nous allons faire un aller-retour via la rue Pierre-Brossolette, nous arrêter pour faire quelques prises de parole devant la permanence de la République en marche. La redistribution des richesses, l'accès des citoyens aux droits sociaux et dans la lutte contre les inégalités. Incompréhension, inquiétude, colère dans le secteur privé comme dans le public, les mécontentements se multiplient et se manifestent, notamment à la SNCF, Air France, dans la fonction publique, mais aussi chez les jeunes qui refusent la sélection et souhaitent une réelle démocratisation de l'université. Ou encore chez les retraités qui existent, ce qui devrait être une évidence, un pouvoir d'achat décent et de meilleures conditions de vie.